Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve enfin, parce que ça a été très long arrivé, pour le swatch et le make-up de cette palette. Donc, c'est la Hersi, c'est les nouvelles palettes Beauty Bay. Vous les avez en différents formats, en fait, en vert et en mauve. Enfin, l'autre, ça sera demain. Ici, j'ai pris la 42, hein, tant qu'à faire. Voilà. De toute façon, pour le prix, ça vaut largement le coup. Hein. Je crois qu'elle est à 23 euros de mémoire. Je ne sais plus. Mais ça vaut largement le coup. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos qui sera un lien affilié. On se demande pourquoi je l'ai acheté. Voilà. Alors, on m'a demandé aussi le comparatif avec la Wilderness. On fera ça après, à la fin de la vidéo. Si vous me suivez sur Insta, vous savez déjà ce que je vais dire, mais on le fera pour ceux qui ne me suivent pas dessus. Donc, voilà, vous avez du mat, du irisé, du pailleté. Alors, en mat, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26 fards mat. Le reste, c'est des lumineux. J'adore la texture et la qualité des fards Beauty Bay. Je crois que maintenant, vous savez, ça a surpassé Révolution, mais de loin, de loin, de loin. C'est une qualité exceptionnelle pour le prix. C'est le meilleur rapport qualité-prix de fard à paupières que j'ai. Enfin, pour moi, hein, voilà. Après, ça dépend des gens. Donc, vous avez quand même deux petites colonne ici de un peu bordeaux, un peu plus nude, marronné, mais c'est quand même principalement du vert. Voilà. Donc là, on va partir sur un make-up assez classique, mais essayer d'utiliser quand même le max de teintes vertes. Donc on sera dans du full vert. Hein. Les marrons, je les utiliserai une autre fois. Vous m'avez demandé de base une palette, trois looks. Je vous avais fait un sondage sur Insta. Hein. Mais vous me demandiez aussi de faire vite pour voir si vous les achetiez ou pas. Donc, je peux pas non plus aller très vite avec une palette 3 looks. Donc, là, je vous fais un swatch et make-up. Et on fera une palette 3 looks dans les quelques semaines à venir. Ça sera un samedi. Voilà, pareil pour l'autre. Swatch et make-up demain. Et ensuite, une palette 3 looks. Ça vous fera plus de looks hein, au final. Mais voilà, je peux pas faire vite et beaucoup. Voilà. Donc, dans une palette 3 looks, on fera un make-up avec les teintes du bas. On fera encore un full vert et un mixé. Mais là, on va partir dans le vert. J'ai trop envie. Donc, je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Je ne vais pas faire une intro de 3 heures. Hein. Je me rapproche et on se fait un petit make-up vert. Ça faisait longtemps. Alors, je prends un pinceau 231 pour pas changer. Et je vais attaquer avec le... j'ai envie de toutes les tester, c'est un truc de fou. Truc de fou, truc de fou, truc de fou. Allez, on va commencer avec le Pickles, qui tire plus dans les kakis. Je vais donc m'en servir pour faire mon coin externe, mon ras de cils et mon creux. J'adore la qualité de ces fards. C'est un truc de fou. Alors, ils sont assez poudreux, mais c'est pas non plus catastrophique. Hein. Plus vous avez de la pigmentation, plus ça a tendance à être poudreux. Ça ne me dérange pas du tout. Pensez bien à tapoter votre pinceau. Moi, je vais pas faire mon ras de cils. On va essayer comme ça, on utilise des teintes en plus. On va prendre une autre couleur pour faire le ras de cils. On va peut-être partir dans les mints, tiens, pour le ras de cils. Oui, je réfléchis tout, hein. Vous avez l'habitude. Donc je commence déjà à dégrader avec ce pinceau-là, comme d'hab. Alors, je prends un pinceau plat mais fluffy, je vais juste redégrader un petit coup. Bien fondu. Ça, j'ai vraiment un problème au centre de mon creux de paupière. Les fards, ils accrochent plus. On va
Alors, je ne sais pas si c'est un problème avec ma base, avec ma paupière, avec mon contour des yeux, mais c'est extrêmement chiant. Alors, j'essuie un petit coup mon pinceau et je vais prendre la teinte acide ici pour dégrader la partie interne. Ouh! Ouh, ça c'est beau. Ouh, j'aime bien cette couleur-là. Hein. Ouh, c'est joli ça. Donc j'étire un peu vers le centre. Et pour l'extérieur, je vais prendre le. Je sais pas lire la teinte. Si, le vert là. C'est vert. Oh, mais elle est contente, c'est du vert. Alors, je reprends le premier pinceau et un petit peu de la teinte Pickles. J'adore le nom de cette teinte. Estompeur propre. Voilà pour l'instant pour le travail du creux de l'estompe. Je passe au pinceau plat. Et je vais prendre le. Allez, soyons fous. Je prends le. Oh là là, j'ai du mal à lire avec les reflets. Voilà, celui-ci. Je ne sais pas lire avec les reflets. C'est écrit en holographique. Donc je mets ça sur la partie interne. Sur la moitié externe de ma paupière. Avec l'autre côté de mon pinceau, je vais prendre le. Ici. Je sais pas si vous voyez. Donc, normalement, même les lumineux se prélèvent très bien, ouais, au pinceau. Donc, je retourne le pinceau et j'estompe un peu. Je vais passer à mon ras de cils. Donc, je vais prendre un pinceau pour le ras de cils. Attendez. Attendez. Voilà. Je vais prendre le. Bon, je vous dis plus les teintes. J'essaie plus de vous dire les teintes. J'y arrive absolument pas. Je vais prendre celui-ci et dégrader avec celui-ci à côté. Donc, je ne vais pas en coin interne parce qu'on va en mettre un autre. Donc, je prends un petit pinceau boule et je dégrade avec l'autre d'à côté. Un peu plus mint pastel qui est très joli et assez pigmenté hein, pour pastel. Alors je garde le petit pinceau boule et je vais prendre la teinte et des petits lumineux. Il n'y en a pas tant que ça. Bon, du coup, je vais prendre le mat ici en dessous pour faire la partie interne. Ok, j'enrichis mon pinceau, je garde le même et je prends la teinte ici pour mon coin interne. D'ailleurs, il est très ressemblant à un de la Blood Money. Je disais, il est très ressemblant à un de la Blood Money que vous pouvez largement utiliser en tant qu'highlighter aussi. Je m'en fous sur le pif, arc. Alors, j'en prends un petit peu avec mon petit doigt. Pour mettre sous mes chenilles. J'adore. Et vous voyez que vous pouvez clairement l'utiliser en tant qu'highlighter. Alors, ah bah écoutez, je vais reprendre mon tout petit pinceau. Je l'essuie, mon pinceau boule. Et je vais prendre ici le doré. Pour mettre sur la partie interne ici. Parce que je vais mettre des petites décos dorées. Des perles et des dorures pour mettre comme mon pull. Donc ça fera pas mal. Alors moi je suis pas accro au doré, mais j'aime bien ce genre de teinte parce que c'est du de l'or vieilli comme ça, c'est pas du jaune jaune, mais je fais des taches. Hein. Mamie, elle fait n'importe quoi. Bon, je reprends un petit pinceau plat et je garde le doré que je mets ici. En transition de la transition. Oui, vous savez qu'en ce moment, j'ai mon obsession.
peux mettre une autre teinte sur ma transition externe. Je sais pas pourquoi, mais c'est nouveau. Mais écoutez, je pense qu'avec les fards, hein, on est pas mal, on est pas mal. Hein. Je vais juste réintensifier le kaki, enfin le pickles du début, parce qu'on ne le voit absolument plus. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Donc je vais arrêter avec les fards, sinon j'en remets, j'en rajoute encore 15 fois. Je vais mettre mes petites fioritures, mascara, liner, rouge à lèvres. Je vous dirai ce que j'ai utilisé après. On se retrouve juste après pour parler de la palette. Donc voilà le look final avec cette palette sur laquelle on va revenir tout de suite. Donc les tic tic et les bruits de cochon, c'est vous, c'est maman. Je vous jure, c'est maman. Alors j'ai mis le liner mat. C'est les duels ou les splash? Et les colors. Rien à voir. Les fossiles, j'ai mis les Gatsby de chez. De chez. Et les splash. J'adore. C'est Manon qui les a offerts deux fois. Voilà, les petites perles, c'est celles qui viennent de chez Essence, je crois. Je ne sais plus. Et puis mes petites perles dorées. Voilà. Et sur les lèvres, j'ai mis donc le soir et le brioche. C'est le brioche, hein? Ouais, de chez Bit. Oui, ça me fait rire de dire Bit. Arrêtez de rigoler. Voilà, ça me fait rire. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette petite palette? Bah écoutez, moi j'adore, hein. Forcément, c'est du vert. Voilà. Donc, rien à dire, rapport qualité-prix, quantité-prix, Beauty Bay, c'est vraiment la classe internationale. J'adore, les couleurs se travaillent très bien, comme d'hab, les lumineuses sont hyper lumineuses, se travaillent très bien au pinceau. J'ai pas utilisé mes doigts, les gens. C'est chose très rare, mais j'ai pas utilisé mes doigts. Voilà, ils se superposent bien, ils se dégradent bien entre eux, ils se dégradent bien seuls. Ils sont super pigmentés, il n'y a pas besoin de replonger de pinceau 15 000 fois. Ils sont un petit peu poudreux, mais plus il y a de la pigmentation, plus c'est poudreux. Donc voilà, moi ça ne me dérange absolument pas. Vous faites comme ça sur votre pinceau un coup avant de l'appliquer sur la paupière et vous n'avez pas de soucis. Les teintes sont assez variées, je trouve. Bon, après, on reste quand même dans le vert. Si vous n'aimez pas le vert, n'achetez pas. Mais je trouve qu'elles sont quand même assez variées parce qu'on part du mint, du pastel, au peps, au vert bouteille, au vert sapin, il y a du kaki, enfin il y a vraiment toutes les teintes de vert que j'adore, il y a un petit peu de bleu canard ici, voilà, enfin, qui est plus un vert canard, c'est la même chose, on est d'accord, mais il tire un peu plus sur le vert que sur le bleu, et vous avez la rangée ici, que ben, c'est des teintes que moi j'adore aussi, un rouge bordeaux, voilà, donc pour la comparer à la Wilderness. Alors, si vous me suivez sur Insta, vous le savez déjà, j'ai fait le comparatif avec les deux. On fera pareil demain. Hein. Alors, attendez, je vais essayer de la prendre autrement, parce que j'ai pas envie de la faire tomber non plus. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai que l'un dans l'autre, sauf que bon, ici, on a la rangée de bleu en plus. Donc, si vous regardez bien, vous avez par exemple les deux rouges ici en dessous, c'est le Hit et le Raw, c'est les mêmes. Mais, ils ont le même nom. Donc voilà, je trouve ça plus que correct. Si vous achetez les deux, vous savez d'office que les fards ont le même nom. Maintenant, je trouve un peu dommage d'avoir remis des fards. Encore celle-ci, ça va, mais l'autre... Comme j'ai les trois, vous allez voir. On verra ça demain. Je trouve que c'est un peu dommage pour ceux qui s'empressent d'acheter des collections limitées de ce genre. Moi, je fonce dès qu'il y en a une qui sort. Bon, la Love Letter, je ne l'ai pas achetée parce que c'était pas des teintes qui me transcendaient, même si elle me plaît bien. Hein. Je ne peux pas dire qu'elle ne me plaît pas. Et puis que par rapport à la collection, j'aurais bien aimé l'acheter. Mais j'essaye de contrôler un peu. Je dis ça alors que je vais vous tourner un haut juste après. Mais bon. Donc, vous avez le
hêtre et le roux qui sont les mêmes, l'eucalyptus qui est aussi dans les deux, le moss, le ivy. Donc ça en fait déjà 5. Et je crois que c'est tout pour dans cette palette-ci. Attendez, je vérifie. Le hearth, il n'y est pas. Le sunrise, on est sûr qu'il n'y est pas. Le poppy, il n'y est pas. Le rose gold, il n'y est pas. Le leaf. Non. Le lime, qui aussi, ça fait déjà 6. Hein, et là, on est quand même que sur 20 phares. Hein. Et voilà, c'est tout pour les ressemblances avec celle-ci, mais je trouve vraiment dommage d'avoir repris les mêmes. C'est dommage par rapport à ceux qui achètent les collections limitées, parce que du coup, on va plus s'empresser de les acheter en se disant, oh, de toute façon, il y a certains phares qui se retrouveront dans d'autres palettes. Je trouve que le principe d'une édition limitée, c'est que vous ne retrouviez pas après les mêmes phares. Mais voilà, si vous avez raté les éditions limitées, sachez que rien que dans celle-ci, vous en avez déjà 6 dans la verte. Ça peut être une bonne alternative. C'est sympa pour ceux qui les ont ratés. Mais alors à ce moment-là, il vaut mieux refaire une édition de l'édition limitée et faire d'autres teintes dans l'autre palette. Parce que bon, moi j'ai les deux. Je n'ai pas utilisé le leaf de celle-ci et de celle-ci. Le leaf, il n'y est pas. Mais le ivy, par exemple, je ne vais pas utiliser les deux mêmes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Après, moi, j'utilise qu'une palette par une palette. Donc, voilà, mais. Donc, c'est bien pour ceux qui ont raté les éditions limitées. C'est un peu moins bien pour ceux qui les ont eues. Ça fait 6 phares en moins de cette palette. Et voilà. Parce que ici, vous avez aussi dans la rangée des bleus le Twilight, qui est le bleu foncé, qui est dedans, et le océan également. Donc, les deux derniers de la rangée des bleus se retrouvent dans l'autre palette. Donc, voilà. Ça fait énormément de phares. Fait quasi la moitié des phares qui se retrouvent dans les deux autres palettes. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Sinon, ben voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est des phares que j'adore, une qualité que j'adore. Donc je regrette jamais mes achats Beauty Bay. Donc demain, on se retrouve avec la Midnight. Attendez, je vous la montre juste un petit coup, juste pour vous faire. Oh! Donc c'est celle-ci et bam! Ouh! Voilà. Et on la comparera à la Edge of Opulence et la Book of Magic. Maintenant, si vous avez raté la Book of Magic, elle est très similaire, donc je vous la conseille. Hein, voilà. On partira sur un make-up cocktail slash asymétrique. Je sais pas. J'ai envie de m'amuser avec les mauves et les bleus. J'ai envie de tester les deux. Mais pareil, il y a une palette Trello qui arrivera. Ça sera la première d'ailleurs, puisque l'autre, je la fais pas toute seule. Voilà, pour info. Donc, on se retrouve très vite. On se retrouve demain pour l'autre partie. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà acheté, si vous allez l'acheter, si vous attendiez ma vidéo pour l'acheter. Et voilà. Donc, en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous.